Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, les 6 secrets pour avoir et entretenir des relations saines. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Avoir de bonnes relations avec les autres est la promesse d'une vie heureuse et réussie. Le problème, c'est qu'au quotidien, nous connaissons plutôt des relations conflictuelles et compliquées. Des relations qui nous pèsent, qui nous font perdre confiance en nous et qui même parfois nous gâchent complètement la vie. Alors comment avoir et entretenir des relations saines? Voici les 6 secrets. 1. Prendre le temps de bien choisir. Dans la vie, nous avons tendance à faire une erreur très commune, mais qui ne reste pas moins une erreur. Nous nous lions d'amitié avec quelqu'un et ensuite seulement, nous veillons à ce qu'il soit digne de notre amitié. Alors que les philosophes comme Sénèque déjà nous expliquaient qu'il est plus judicieux de veiller à ce que la personne soit digne de notre amitié avant de la lui accorder. C'est-à-dire que nous jugeons un inconnu et nous faisons confiance à un ami, plutôt que de faire confiance à un inconnu et de juger un ami. Vois-tu la différence? En effet, pour vivre des relations saines, il faut veiller à bien choisir les personnes avec qui nous décidons d'entretenir une relation. Donc, prends le temps de choisir, de juger en quelque sorte si l'autre est compatible, par exemple, avec toi. 2. Entretenir des relations saines, c'est faire confiance. Une fois que tu as pris le temps de choisir, il est temps de faire confiance, de vraiment faire confiance. Pas aveuglément, mais entièrement tout de même. Car il n'y a rien de pire dans une relation que la suspicion et le jugement. En effet, se sentir jugé est une impression très désagréable et se mettre soi-même en posture de juge l'est tout autant. C'est pourquoi dans les relations saines, nous faisons le choix de faire confiance à l'autre, ni plus ni moins. Autrement dit, nous ne passons pas notre temps à chercher du regard les erreurs et à les pointer du doigt. 3. Rester autonome et indépendant. La dépendance affective et la tendance à vouloir faire tout le temps plaisir ou être trop gentil détruisent les relations. Ça complique tout, ça gâche tout en fait. C'est pourquoi il est essentiel de savoir rester autonome et indépendant. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire de veiller à ne pas faire dépendre son bonheur et même sa bonne humeur du comportement de l'autre. C'est-à-dire de veiller à ne pas laisser l'autre prendre trop de place, trop d'importance, au point de perdre son autonomie en matière de bonheur et de bien-être. Pour cela, il faut continuer à satisfaire nos propres besoins et ne pas chercher à tout prix à satisfaire ceux de l'autre. 4. Trouver un équilibre pour avoir des relations saines. Dans toute relation, il y a un équilibre à rechercher. Pas un équilibre parfait, car il n'existe pas, mais un équilibre sain. Tout d'abord, pour entretenir des relations saines, il faut comprendre que dans la relation, ce n'est pas une personne qui donne tout et l'autre qui reçoit tout. Alors, il y a des moments où la différence est plus marquée, mais pour autant, la relation doit revenir à un certain équilibre assez rapidement, au risque de tomber dans une relation toxique, malsaine. Pour trouver cet équilibre, il est essentiel que chaque personne se sente libre de communiquer ses besoins et ses désirs. Cela ne veut pas dire que l'autre doit accepter de les satisfaire, pas du tout. Car dans une relation saine, savoir dire non et entendre un non est essentiel. Et c'est parce que nous savons recevoir un refus ou donner un refus que nous nous sentons libres de communiquer nos besoins et nos désirs de manière saine. 5. Authenticité et transparence sont des maîtres mots dans les relations saines. Dans les relations saines, les personnes ont conscience qu'elles ne sont pas dans la tête de l'autre et que l'autre n'est pas dans leur tête. Autrement dit, elles ont conscience qu'il est essentiel d'être authentique
et transparente avec l'autre. Parce que dans les relations toxiques, nous pouvons remarquer que l'une des personnes a tendance à cacher ses sentiments et ses besoins en prétendant que l'autre devrait savoir, qu'il n'a donc pas besoin de les exprimer. Il n'y a rien de plus toxique que cela. C'est pourquoi dans les relations saines, il faut veiller à rester authentique et transparent dans ses besoins, mais aussi ses sentiments et émotions. C'est-à-dire ne pas laisser l'autre se débrouiller et deviner, mais dire de manière authentique et transparente ce que nous voulons et ressentons. De plus, il est essentiel de veiller à ce que l'autre soit authentique et transparent également. Pour cela, ne pas hésiter à poser des questions à l'autre comme « Comment te sens-tu ? Que veux-tu ?» plutôt que d'essayer de deviner ou de faire des suppositions. Parce que les relations saines ne nous plongent pas dans ces questionnements désagréables et toxiques. 6. Accepter les imperfections. Personne n'est parfait. C'est pourquoi dans les relations saines, il faut savoir accepter les autres comme ils sont, avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts, avec leurs sauts d'humeur et leurs erreurs. Il faut aussi savoir pardonner et poser un regard bienveillant et plein de compassion. Alors accepter les imperfections et les erreurs ne veut pas dire se laisser marcher dessus et céder à tous les caprices, pas du tout. Mais apprends à pardonner, à accepter les imperfections, au lieu de chercher à tout prix à te protéger de tout et de tous. En fait, aime les autres de tout ton cœur et aime-toi de tout ton cœur. Ce sont les meilleures bases pour avoir et entretenir des relations saines. Voilà, c'était les 6 secrets pour avoir et entretenir des relations saines avec les autres. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Prends le temps de bien choisir les personnes avant de leur accorder ton amitié ou ton amour. 2. Fais confiance entièrement à ceux avec qui tu décides d'entretenir une relation. 3. Reste autonome et indépendant, indépendante. Continue de satisfaire tes propres besoins. 4. Trouve le bon équilibre dans tes relations. Sens-toi libre de communiquer tes besoins, de dire non ou de recevoir un non. 5. Veille à rester authentique et transparent, transparente avec l'autre. Exprime tes besoins et tes désirs. Ne laisse pas l'autre les deviner. Tout comme ne devine pas les besoins et les désirs de l'autre, demande-lui clairement. 6. Accepte les imperfections de l'autre. Apprends à pardonner. Aime de tout ton cœur. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, S'affirmer et communiquer de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. J'ai adoré ce livre de développement personnel. Les auteurs nous enseignent comment entretenir des relations saines et ça fait un bien fou. Je te le conseille de tout cœur. Et le second livre, Lettre à Lucilius de Sénèque. J'ai adoré ce recueil de philosophie. L'auteur nous enseigne l'art de vivre une vie bonne, une vie sereine. Il aborde le thème de l'amitié et nous guide pour nous aider à entretenir des relations saines avec les autres. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !